Chers terrariophiles, aujourd'hui, ensemble, on va faire un substrat pour l'élevage des cloportes, l'élevage de ces petits isopodes qui vont vous aider à créer des terrariums bioactifs, à entretenir des terrariums bioactifs. Je précise que le sol qu'on va faire pour l'élevage des cloportes est tout à fait adapté aussi pour les terrariums bioactifs. Alors, sans plus tarder, on y va, c'est parti. Pour commencer, on utilise du Reptisoil. Reptisoil, c'est du terreau spécialement adapté au terrarium finalement un petit peu tropicaux. Les cloportes vont vraiment profiter de ce genre de substrat. Reptibark, de l'écorce de conifère. Donc ça va permettre d'alléger le substrat de façon à ce qu'il soit drainant, ce qu'il soit léger, pour créer des poches d'air finalement pour que les petits cloportes et les colamboles, parce que ça cohabite avec des colamboles, les cloportes, puissent correctement se promener. Le Forest Floor, donc là on est sur du bois de cyprès, encore une nouvelle essence intéressante. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cloportes sont des animaux qui se nourrissent de bois mort. Plus vous allez varier les bois que vous utilisez, meilleur sera le substrat. Parce qu'en réalité, ce que peu de gens savent, mais le substrat qu'on est en train de créer, c'est en réalité le garde-manger des cloportes. Ils vont se nourrir de leur substrat. Donc plus le substrat est riche, mieux c'est. Regardez un petit peu ce que je commence à obtenir. Quelque chose d'assez hétéroclite là, qui ressemble pas mal à un sol forestier. Alors on pourrait rajouter du charbon actif pour avoir vraiment une qualité encore meilleure. Pourquoi pas? Il y a des gens qui vont vraiment rajouter beaucoup de choses très différentes. Chacun un petit peu à sa méthode. Moi, cette méthode, elle fonctionne pour moi. Ce que je vous propose, c'est qu'on rajoute maintenant l'éco-earth, donc de la fibre de coco, ce qui est parfait pour retenir l'humidité. Le substrat doit être relativement humide. Faut pas hésiter à rajouter un petit peu d'eau. Ouais, l'eau du robinet, ça marche. Hein. Si vous avez un petit peu d'eau d'aquarium, on peut mettre l'eau de l'aquarium, ça ira aussi. Voilà. Et on mélange, on mélange, on mélange. À l'intérieur de ce substrat, quand on élève des cloportes, ce qu'on aime, c'est avoir des petits morceaux de bois qui se décomposent. Donc, l'écorce de liège, figurez-vous, l'écorce de liège, c'est quelque chose d'excellent parce que bien enterré dans le substrat, là, bien au fond, elle va se décomposer tout doucement et surtout les bébés cloportes vont en profiter de cette cellulose à la surface qui se décompose tout doucement et qui va créer un véritable garde-manger. Donc je vais en introduire vraiment tout au fond, complètement à l'intérieur, et de temps en temps, quand vous creusez tout doucement dans votre substrat et que vous retrouvez ces morceaux de liège, ils sont couverts de minuscules cloportes trop mignons. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une zone un petit peu plus humide. Je vous ai dit que le substrat doit être humide, mais pas complètement détrempé. Pour s'assurer une bonne hydratation de vos cloportes, qui sont des crustacés, pas des insectes, les crustacés ont des petites branchies. Et ces petites branchies doivent rester humides tout le temps pour correctement respirer. Donc moi, sur le devant, je vais installer de la sphaigne humide. La sphaigne de chez Eumède, elle est top. Donc je l'avais déjà préhumidifiée. Hop là, regardez-moi ça. C'est de la cuisine qu'on est en train de faire ensemble, les amis, de la cuisine. Voilà, donc j'ai mon spot là, super humide. Quand vous ouvrez régulièrement et que vous regardez vos cloportes, on jette un coup d'œil rapidement à la sphaigne. Est-ce qu'elle a un aspect sec? Est-ce qu'elle a un aspect humide? Ça peut rapidement vous donner une idée si vous avez besoin de rajouter de l'eau ou pas. En sachant que moins on touche à ces colonies, mieux ça se passe. Ces petits animaux n'aiment pas être dérangés trop régulièrement. Une fois que j'ai créé tout ça, qu'est-ce qui va bien me manquer? Eh bien, les cloportes, comme je vous l'ai dit, sont des crustacés. Leur exosquelette est composé de calcium. Alors ça ferait vraiment vraiment sale de mettre du calcium en poudre, le même que vos lézards. Du coup, on utilise du calcium solide. Et ouais, c'est des os de sèche. Donc les os de sèche, on les vend à Reptilis. C'est des os de sèche, voilà, de bonne qualité. Il y en a un que je vais enfouir dans le sol complètement là. Il va aller rejoindre les écorces de liège. Le deuxième, je le mets simplement comme ça. C'est toujours sympa d'avoir une belle écorce de liège un petit peu plus grosse qui va être à cheval entre la partie humide et la partie moins humide, on va appeler ça comme ça, pour permettre aux cloportes, voilà, vraiment de choisir, de se sentir en sécurité.
Les cloportes vont avoir besoin aussi de quelque chose de bien spécial. Des feuilles mortes. Alors pas n'importe quelle feuille morte. La plupart du temps, on choisit des feuilles mortes de bois dur, des feuilles mortes qui ne se décomposent pas rapidement. Prenez par exemple des feuilles de cerisier, ça va se décomposer super vite. Là, on a des feuilles de chêne et des feuilles de hêtre que vous pouvez utiliser pour vos terrariums. Donc là, pas besoin de les nettoyer, de les faire bouillir ou quoi que ce soit. Paf, et voilà, c'est tout. On fait ça. Plus vous utilisez également de feuilles différentes, mieux c'est. Donc là, on va vraiment être super, super généreux. On en met partout. Je vais en mettre un petit peu là-dessous. Ouais, ça commence à être pas mal, là. Ça commence à être pas mal pour une petite cloporte. Qu'est-ce que vous en dites? La suite. Donc là, on a parlé de l'alimentation de tous les jours des cloportes. Mais si vous voulez dynamiser votre population, vous voulez avoir un gros élevage, vous voulez que ça bouge là-dedans, eh ben on a quelque chose pour vous. Le crabe cuisine de chez Ikari. Eh oui, crabe cuisine. C'est de l'alimentation de base qui a été prévue pour des crevettes, pour des crabes d'aquarium. Crabes et crevettes sont des crustacés au même titre que les cloportes qui nous intéressent. Alors du coup, voilà comment ça se présente. À l'intérieur, on a des petits granulés. Et voilà. Parce que les cloportes, figurez-vous, vont avoir besoin d'une partie un petit peu... un peu carné quoi, c'est fait à partir de mollusques, de crustacés. Surtout si vous avez du Porcelio scabeur, Porcelio levis, qui sont des cloportes qui ont besoin d'une part carnée dans l'alimentation. On peut mettre des petites crevettes séchées, on peut mettre, vous avez eu un poisson mort, mettez votre poisson mort avec vos cloportes, ils vont le manger. Donc ça, il suffit de le mettre un petit peu partout. Moi, j'ai tendance à les mettre surtout sur l'écorce. Parce que là, je peux vraiment voir s'ils ont disparu. Je reviens un petit peu plus tard dans la journée. Je fais, ah, ok, ils ont tout mangé. Je vais peut-être en rajouter un petit peu. Donc voilà, là, on a vraiment un substrat nickel pour démarrer un élevage. Ce que je vous propose, c'est qu'on libère les cloportes maintenant. Alors, on y va pour libérer aujourd'hui des Cubaris Panda King. Ils sont très populaires en ce moment. Le Cubaris, c'est une variété de cloporte qui est asiatique. Donc, comparé aux classiques Porcelio levis qu'on retrouve partout, qui sont espagnols, donc européens, là, on a une variété asiatique. Allez, c'est parti, on les libère. Allez, poursuivons avec une autre espèce, les Armadillidium vulgare Magic Potion, qui eux seront séparés effectivement des Panda King dans une autre boîte, car il s'agit d'une autre espèce et on ne mélange pas les espèces de cloportes. Elles peuvent rentrer un peu en concurrence l'une avec l'autre et au bout d'un moment, vous finissez avec une seule espèce de cloporte et l'autre qui aura vraiment périclité. Donc une seule espèce par bac d'élevage. Regardez s'ils ne sont pas intéressants avec leur couleur semi-transparente. Les petites paillettes de jaune, on dirait du fil d'or. Je les adore. Allez, on poursuit avec une des stars de la cloporte mania. Armadillidium Klugi Monténégro. Alors ceux-là, ils ont des points jaunes, ils ont du rouge, ils ont du noir, ils se roulent en boule. On comprend mieux pourquoi c'est des cloportes qui sont vraiment, vraiment appréciées des passionnés. Hein. Allez, on va finir avec Armadillidium maculatum, un cloporte français que l'on retrouve dans la région sud-est. Armadillidium maculatum, regardez-moi ça, si c'est pas beau, le cloporte zébré.
Si ce contenu vous plaît et que vous voulez en voir davantage, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour avoir les infos sur les nouvelles vidéos. Mettez-nous un petit pouce pour nous encourager et à très bientôt chez Reptilis.